CJRS 1650 AM Montréal vous présente La culture juive en santé avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, Shalom Lekoulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée va vous faire découvrir des compositeurs juifs hollandais du XXe siècle. Quelle idée bizarre et étrange m'est passée par la tête ? Pas si bizarre, pas si étrange. La Hollande, ou l'entité étatique qui en tenait lieu à l'époque, a accueilli de nombreux juifs venus d'Espagne. Il y a donc une très ancienne communauté juive dans les grandes villes des Pays-Bas, comme Amsterdam et Rotterdam, mais bien d'autres. Les grands compositeurs hollandais, même les post-juifs, on les connaît peu outre-Atlantique, et pas tellement plus en France ou en Belgique. Vous pouvez m'en citer un de compositeurs juifs hollandais du XXe siècle? Allez, j'élargis, tous les siècles confondus? Bon, eh ben moi non plus, j'aurais pas pu. Et pourtant, j'ai adoré ce que j'ai trouvé. Sur les trois musiciens que vous allez découvrir aujourd'hui, deux m'ont vraiment beaucoup plu. La troisième ne m'a pas déplu, même si elle m'a moins touchée que les deux autres. Alors, en route pour la découverte de nos trois oiseaux rares, et pour le premier, je vais frapper fort, car en plus, c'est une compositrice. Et Dieu sait qu'elles sont rares dans les milieux de la composition classique, et même encore maintenant au XXIe siècle. Alors, son nom est Rosie Wertheim. Elle est née dans un milieu aisé le 19 février 1888 et est décédée le 27 mai 1949 à La Reine. Elle a pris des cours de piano au pensionnat où elle étudiait. Elle continue cet instrument avec Ulfert Schulz et l'harmonie et le contrepoint avec Bernard Zwiers et Sam Dresden, qui est un professeur qu'on retrouvera pour les deux autres musiciens également. Jusqu'aux années 20, elle a surtout écrit des chansons et des pièces chorales. Alors on va entendre le premier mouvement de sa sonatine pour violoncelle et piano, dont on ne connaît pas la date de composition. Les influences romantiques peuvent laisser penser que c'est sans doute une de ses œuvres de jeunesse. Thank you.
C'était le premier mouvement de la sonatine pour violoncelle et piano de Rosie Wertheim. En 1921, elle passe un examen d'état de piano. Elle est diplômée et pendant près de 10 ans, elle enseigne au lycée musical d'Amsterdam et dirige des chorales féminines, parmi lesquelles le Island Kinderen, les enfants des îles, pour les enfants pauvres du quartier juif d'Amsterdam. En 1929, elle s'embarque pour Paris où elle doit passer 6 mois, mais elle y reste 6 ans, composant de la musique et écrivant sur la scène musicale parisienne pour le journal d'Amsterdam, Het Volk, tout en étudiant la composition et l'instrumentation avec le compositeur Louis Aubert. Son appartement était un véritable lieu de rendez-vous pour des artistes tels que Arthur Honegger, Darius Milhaud ou Olivier Messiaen. Elle est devenue très proche d'une autre compositrice que je ne connaissais pas, Elsa Barène. Elle part en 1935 à Vienne, où elle étudie le contrepoint avec Carl Weigel. En 1936, elle va aux États-Unis, où elle donne des conférences et voit même quelques-unes de ses pièces se faire jouer. Mais la tension en Europe fait qu'elle décide de rentrer. Donc, en 1937, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Rosie Wertheim retourne à Amsterdam. Pendant toute cette période et même après que la guerre a éclaté, elle composera beaucoup. Alors écoutons le finale de la sonatine dont nous venons d'entendre le premier mouvement. C'était le finale de la sonatine pour violoncelle et piano de Rosie Wertheim. Sa musique des années 30 se caractérise par un son léger, lumineux, comme impressionniste. Bien que ne soit pas datée, on pense donc que sa sonatine date de ces années-là.
Durant l'occupation allemande, Rosi Wertheim donne des concerts secrets dans sa cave où elle joue de la musique de compositeurs juifs bannis. Après septembre 42, elle entre dans la clandestinité pour échapper aux déportations. Ceci dit, elle n'était pas bonne pour la clandestinité et se mettait en danger ainsi que les personnes qui l'hébergeaient. Mais elle a survécu à la guerre alors que la plupart des membres de sa famille périrent. Écoutons une des trois chansons pour voix et piano écrite en 1939 qui est vraiment dans la lignée de la musique française du début du XXe siècle. Le texte est de Li Taipo, un poète chinois du 8e siècle dont Gustav Mahler avait mis aussi quatre poèmes dans sa symphonie Le Chant de la Terre. C'était « Sur les bords du Yoyé » de Rosi Wertheim. Après la guerre, Rosi Wertheim enseigne dans l'école de musique de la Reine, mais devient gravement malade et meurt le 27 mai 1949 à la Reine. Elle avait 61 ans. Sa musique, elle, bien que peu connue, lui survit. Elle a écrit 88 compositions, 33 d'entre elles ne sont pas datées, parmi lesquelles la sonatine dont nous avons entendu deux extraits. Sa musique était très lyrique et elle avait un grand sens de l'harmonie subtile et variée. Dans ses premières années de compositrice, elle était attirée par le style romantique, puis elle a eu une passade avec l'octotonisme. Et oui, ça a existé. C'était très en vogue parmi les compositeurs hollandais des années 1920 et peut s'entendre par exemple dans les œuvres de Leo Smith qu'on va découvrir tout à l'heure. Ses dernières compositions portent clairement la marque de son séjour en France par ses influences impressionnistes. Les œuvres de Rosi Wertheim ne sont pas simples et évoquent l'ambiguïté. Il y a plusieurs niveaux de profondeur dans sa musique dont certains ne vont pas s'en rappeler Brahms. Alors nous allons laisser Rosi Wertheim sur une dernière pièce, pastorale, extraite de son opus « Trois morceaux pour flûte et piano » composé en 1939, une œuvre de maturité où l'influence de Debussy me paraît assez évidente. Thank you.
C'était Pastoral de Rosy Wertheim. Parlons maintenant d'un de ses compatriotes, Ignace Lilien, né en 1897 et mort en 1964, qui était le fils d'un banquier de la ville de Lemberg, ville qui était en Autriche à cette époque, qui est en Ukraine maintenant, mais était en Pologne jusqu'en 1772. Lemberg était considéré comme la petite Vienne à l'époque. Bref, il parvient à être un juif cosmopolite sans bouger de chez lui. Et ça se retrouve dans la musique qu'il composera plus tard. Il a fait du piano quand il était petit, et en 1914, à l'âge de 17 ans, il est parti faire le tour des galeries d'art européennes à vélo. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale l'a surpris en Hollande et l'a empêché de rentrer chez lui. Alors il est resté en Hollande et a étudié la chimie dans la ville de Delft. Il a aussi étudié le piano et la composition. De 1922 à 1962, il a travaillé comme ingénieur textile dans la même compagnie qui avait son siège à Rotterdam. Mais il faisait de nombreux voyages professionnels pour son travail d'ingénieur et en profitait pour faire des concerts et s'abreuver de musique de tous les lieux où il allait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est en Hollande, où il a pu échapper à la persécution nazie car il n'était pas répertorié comme juif mais comme étranger. C'est là qu'il a composé un grand nombre de chansons sur des textes hollandais, parmi lesquels, en 1943, la ballade de Van Westerbork, qui était le camp de concentration, sans doute plus exactement camp de transit, hollandais. À partir de 1945, il a vécu à La Haye. Lilien a écrit lui-même les textes de beaucoup de ses compositions. Ses chansons se caractérisent par une grande spontanéité et véhiculent une grande émotion. On retrouve des éléments de musique sud-américaine dans sa sonate pour les temps modernes, écrite pour violon et piano en 1935, ainsi que dans son opus pour orchestre « Les palmes dans le vent », écrit en 1950 lors de sa première visite en Amérique du Sud. On écoute la sonate des temps modernes pour piano et violon, le premier mouvement, « Allegro ». Thank you.
C'était le premier mouvement de la sonate des temps modernes pour piano et violon de Ignaz Lilien. Vous avez entendu le petit clin d'œil à Gershwin à la toute fin de ce mouvement. Il a donc mené deux carrières en parallèle, puisqu'il a été ingénieur chimiste et compositeur assez productif. Il a en effet composé 4 symphonies, 5 nocturnes pour piano et orchestre, 2 opéras, ainsi que beaucoup d'autres choses dont certaines expriment clairement son engagement sociopolitique, comme par exemple la cantate « A Negro Girl Goes to School » écrite en 1959. On connaît peu ce compositeur et c'est dommage, car pour moi ça a été une sorte de révélation. Il était apprécié de ses collègues et les musiciens le jouent avec plaisir. Le livret de son opéra « La Grande Catherine » a été écrit par nul autre que George Bernard Shaw. C'était un bouillant personnage, exubérant et agité, comme en témoignent sa correspondance et quelques anecdotes qui émaillent sa biographie. Par exemple celle-ci. Il voulait que le violoniste Wilhelm Noske joue sa 2e sonate pour violon qu'il venait de finir. Alors il a débarqué chez lui sans prévenir un dimanche matin. Noske était encore au lit et Lilian s'est assis dans son salon et lui a dit « Vous avez 20 minutes pour vous habiller ». Le titre d'un de ses ouvrages de jeunesse est peut-être une belle métaphore de sa personne. Il s'agit de « Rêve fiévreux ». Peut-être est-ce ainsi qu'il voyait la vie, un long rêve fiévreux, qui prendra fin avec sa mort en 1964. La sonate des temps modernes dont nous avons entendu le premier mouvement a été composée en 1935. À ce moment-là, il vivait en Bohême, dans la ville de Reichenberg, qui est actuellement en République tchèque. Nous allons entendre maintenant le 3e mouvement qui fait particulièrement entendre les influences sud-américaines. Il a d'ailleurs été publié indépendamment sous le nom de Rondo brésilien. Moi, je dois dire que j'y entendrai surtout Ravel et Bizet ou Chabrier dans leur veine hispanisante. Prêtez attention aux très beaux dialogues entre le piano et le violon.
C'était Rondo brésilien, le troisième mouvement de la sonate des temps modernes de Ignaz Lilien. Passons maintenant à Leo Smith, né le 14 mai 1900 à Amsterdam, mort le 30 avril 1943 dans le camp d'extermination de Sobibor. C'était un compositeur et pianiste néerlandais. Lui, il a commencé la musique très jeune. Sa sœur Nora étudiait la harpe et c'est ainsi que la fameuse harpiste Rosa Speer est devenue une familière de leur maisonnée puisque c'était son professeur. La première composition de Leo Smith date de quand il avait 16 ans. Après, il étudie la composition au Conservatoire d'Amsterdam et en 1924, il est devenu le premier étudiant de ce conservatoire à recevoir son diplôme de composition cum laude. En 1922, alors qu'il était encore étudiant, il a écrit une œuvre orchestrale intitulée Silhouetten qui a été jouée 3 ans plus tard. Et la critique a tout de suite noté les influences jazz. En 1927, très impressionné par la musique de Maurice Ravel et de Igor Stravinsky, il s'installe à Paris, où il a été en contact étroit avec les compositeurs du groupe des Six, qui incluaient Darius Milhaud, Arthur Honegger et Francis Poulenc. Il est aussi très inspiré par Claude Debussy et Albert Roussel. Pendant son séjour à Paris, ses liens avec la Hollande restent solides et ses œuvres sont jouées à Amsterdam. C'est aussi pendant ce séjour à Paris, qui dure 8-9 ans, qu'il compose 3 œuvres majeures pour la harpe, les 3 dédiées à Rosa Speer, le professeur de sa sœur et harpiste de grande renommée. Leo Smith compose dans un style néoclassique assez clair, mais il est très inspiré par son époque. Sa musique est chaleureuse, mélodique, très variée. Nombre de ses œuvres incluent des rythmes et des harmonies de jazz. La couleur française de sa musique est indiscutable, mais on y trouve aussi quelque chose d'Hindemith ici, de Stravinsky là. Alors je vous propose d'écouter une pièce intitulée « 2 hommages pour piano solo à Sherlock Holmes ». Je ne vois pas trop où est Sherlock Holmes là-dedans, mais bon, en tout cas, j'entends très bien où est le jazz.
C'était deux hommages pour piano solo à Sherlock Holmes de Leo Smith. À la fin de l'année 1937, il retourne à Amsterdam après une année à Bruxelles. Il enseigne le piano, la théorie musicale et la composition en privé, et il compose. Il était connu. Tout un cercle de musiciens se réunit régulièrement chez lui et ses œuvres sont jouées à la radio. Mais lors de l'invasion de la Hollande par les nazis, les mesures anti-juives se multiplient. En 1941, les musiciens ne pouvaient plus se produire en public. Ses élèves non-juifs cessèrent de venir et en 1942, sa femme et lui durent quitter leur maison. Malgré tout cela, Leo Smith continue d'écrire et la sonate pour flûte et piano dont nous allons entendre le second mouvement est sa dernière œuvre, écrite en février 1943. Il est arrêté le 27 avril 1943 et tué 3 jours plus tard à Sobibor. Dans cette dernière œuvre, les influences des musiciens français du groupe des Six sont particulièrement sensibles. Thank you.
C'était Lento, le second mouvement de la sonate pour flûte et piano de Léo Smith. Et les sonorités du prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy me paraissent vraiment proches. Smith a composé des œuvres pour orchestre et de la musique de chambre. Son œuvre est tombée dans l'oubli après sa mort, mais depuis les années 1980, on la retrouve et elle est interprétée régulièrement. On a même sorti un coffret de 4 CD contenant ses œuvres complètes sous le nom de Kammermusik et Orchestwerken, qui se trouve aisément chez tous les disquaires. Alors pour lui dire au revoir, écoutons une deuxième pièce pour piano solo intitulée « Hommage à Remington ». Alors cette fois-ci, pas de doute, je comprends où dans la musique est Remington. Pour les jeunes qui ne connaîtraient pas le temps béni des machines à écrire, Remington, qui maintenant est surtout connu pour ses armes à feu et les produits de toilette, c'était une compagnie qui a sorti la machine à écrire avec le clavier QWERTY, qui est maintenant la norme en Amérique du Nord. Et vous allez voir comment on l'entend dans la musique. C'était deux hommages à Remington pour piano solo de Léo Smith. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. L'album que j'ai utilisé pour vous présenter ces trois compositeurs hollandais s'intitule Modern Times, avec comme sous-titre Dutch Jewish Composers, et a été publié par Channel Classics en 1995,
Il se trouve à la Bibliothèque juive de Montréal et chez les disquaires. Je me rends compte aussi que je n'ai pas du tout parlé des interprètes de ces pièces qui me paraissaient tout à fait remarquables, en particulier le pianiste Franz von Rutte, mais aussi la violoncelliste Doris Hochscheid, la violoniste Marieke van Cooten et la flûtiste Éléonore Parmeyer. Marianne Quecksilber était la soprano. Je voudrais vous parler maintenant d'une comédie musicale qui est au Centre Cigale à Montréal jusqu'au 25 juin et intitulée It Should Have Been You. Tout de suite, on va dire les renseignements généraux. Donc, le livret et les paroles originales sont de Brian Hargrove. La musique et le concept de Barbara Anselmi. La mise en scène et les chorégraphies d'ici sont de Jim White et la directrice artistique du théâtre yiddish Dora Wasserman est Bryna Wasserman. Cette pièce a eu un joli succès à Broadway en 2015 et tournait en début d'année à New Jersey. Oui, bon, d'accord, c'est bien. Mais pourquoi choisir cette pièce-là? À cette question, la directrice artistique et exécutive du Cigale, Lisa Robin, a déclaré: It Should Have Been You est une charmante comédie romantique, avec une sensibilité contemporaine, remplie de dynamiques familiales qui résistent à l'épreuve du temps. Cette production est enrichie par la nostalgie et la richesse de la langue yiddish. Ah, voilà donc un premier élément de réponse. Pour le théâtre yiddish Dora Wasserman, cette pièce, écrite en anglais, a été traduite en yiddish. Et par qui? Par les coprésidents du théâtre yiddish Dora Wasserman, Edith Cooper et Aaron Gonchor. Le résultat est une comédie musicale juive moderne et innovatrice qui vous fera sans doute sourire. En plus, cette pièce en yiddish est présentée avec des surtitres en anglais et en français. Et en plus d'être traduite dans une nouvelle langue, la production, sous la direction du metteur en scène et chorégraphe Jim White, a augmenté le chœur en amenant le nombre total de la distribution à 24 artistes, tant des nouveaux venus que des vétérans de la communauté du théâtre yiddish Dora Wasserman. Voyons le synopsis. C'est une pièce en un acte qui raconte un mariage. La mariée est juive, le marié est catholique. La mère de la mariée est une force de la nature, la mère du marié est une tempête dans un shaker à cocktail. Et un ex-petit ami se pointe inattendu à la cérémonie. En fait, c'est l'histoire de cultures qui s'affrontent. La pièce fait presque penser au film Le mariage de l'année, mais il y a plusieurs surprises et pour ne pas les gâcher, je n'en dirai pas plus sur l'histoire. Par contre, j'ai bien aimé comment, avec cette petite histoire gentille, on nous invite à réfléchir sur les questions d'identité, de racisme, de tolérance, de mensonge. À partir de quand ne pas dire devient mentir? L'invitation à la réflexion est très soft, on peut l'ignorer totalement, et la pièce est amusante. Même moi, la sévère, j'ai ri plusieurs fois. Un très bon spectacle à voir avec nos ados, par exemple, ou avec des amis de toutes sortes. Je n'ai pas d'audio à vous faire entendre, car ce qu'on trouve sur YouTube est assez différent de ce que vous entendrez. J'ai une mention spéciale à faire pour la direction de Nick Burgess. On ne les voit pas. Mais derrière le décor, on a un orchestre live de sept musiciens et vraiment, ils font un travail fabuleux. Je vous le rappelle donc, la comédie musicale It Should Have Been You sera présentée en yiddish avec des surtitres anglais et français au Centre Cigale du 4 juin au 25 juin 2017. C'est la première fois que la pièce est produite au Canada et la première fois qu'elle est traduite en yiddish. Et voilà que pour la première fois, il me reste du temps pour vous faire entendre quelque chose en bonus. J'ai trouvé sur YouTube la sonate pour violoncelle et piano de Ignace Lilien. Je l'ai adorée et je vous en mets un petit bout du premier mouvement. Il a écrit ça en 1918, il avait 21 ans. Thank you.
Malheureusement, je dois arrêter ici ce premier mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de Ignaz Lilien. Mais je vous encourage vivement à aller écouter la suite. Disons que c'était un apéritif. Et je vous dis à la semaine prochaine. CJRS vous a présenté La culture juive enchantée avec Hélène Engel.